Thank you, Jesus. Ah, uh, thank you, Father. La radio ne donne pas, okay? Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ta faveur. Euh, papa et Camille Ferdinand. Mon nom c'est Kane. c'est pas C'est Kane. Ikane Ferdinand. Bonne arrivée à chacun de vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Nous attendons nos frères. Donc, pour que toute la, la rema Facebook Church, Facebook Church, Puissent être réunis, que tous les membres soient là avant, euh, avant qu'on commence le culte. <laughs> Papa et Camille Ferdinand. Non, ça c'est une erreur de frappe, certainement. Et Canet Ferdinand, plutôt. Il y a de grandes choses par la révélation de la parole qui vont avoir lieu ce matin et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Donc, eh, sois connecté et partage la vidéo. On laisse le temps pour que tu partages la vidéo maximum de personnes. Au maximum de personnes dans un maximum de groupes. S'il vous plaît, partageons cette vidéo au maximum. Invitons nos amis. Si hein. vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Likez la page. Envoyez des cœurs. Envoyez des pouces bleus pour affermir notre église. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Sont nombreux. Partagez la vidéo. Abonne-toi rapidement. Nous attendons nos frères et nos sœurs. Ils sont nombreux, très très nombreux à être connectés ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cela. Donc, s'il vous plaît, connectons-nous encore massivement. Euh, tu viens d'où Minou Elle est entrée par la fenêtre. Elle est où Viens Viens Minou Il euh, y a la sœur Minou qui est venue. Elle a entendu que le culte va commencer. Viens Seigneur, merci pour ta grâce. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus de Nazareth. Bless you, Father. Voilà. Nous, nous attendons, nous attendons les autres, s'il vous plaît, nous attendons les autres. La radio ne donne pas certainement, c'est un problème de lumière. On doit avoir coupé la lumière. Euh, après, il faut demander. Tu vas demander à Mamire d'appeler la radio pour savoir pourquoi ça ne passe pas. Mm -hmm. Voilà. Mino, Mino, viens. Attends, viens, viens, Mino, viens, viens, viens. Hein? Viens. C'est parce que vous la menacez. Viens, ça va? Viens là. Viens. Mino, viens. Viens, elle est où? Viens. Il faut qu'elle ne déchire pas les canapés. Donc voilà. Seigneur merci. Il est 10 heures. Oh, hallelujah. Ça, c'est extraordinaire. Je sais que Dieu va toucher quelqu'un par l'éclairage de sa parole ce matin. Et quelque chose, dans tous les cas, un signe de Dieu sera posé dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui sont connectés de près comme de loin. La grâce de Dieu se manifestera avec puissance et avec autorité. En attendant que les autres viennent, nous, on peut commencer avec la prière de la journée. Alors, demandons à Dieu une seule chose. Seigneur, fais de moi un signe dans ma génération. On a prié ça hier, mais il faut qu'on prie encore bien ça. On a encore prié ce sujet. Donc, on le tenir. Seigneur, fais de moi un signe pour ma génération. Ça veut dire que, Seigneur, je veux marquer ma génération. Je ne veux pas mourir dans l'anonymat. Euh, euh, donc, nous sommes dans la prière au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais de moi un signe. Fais de ton peuple un signe. Dans tous les cas, tous ceux qui croient que tu peux faire de des signes dans cette génération, Seigneur, nous prions que, ce, que cette prophétie soit accomplie au nom de Jésus de Nazareth. Nous ne voulons pas mourir dans l'anonymat, mais nous voulons voir ta main agir avec puissance et avec autorité en notre faveur et en faisant de nous des signes dans cette génération, dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Mon Père et mon Dieu, que tout obstacle dans les airs, tout obstacle dans le règne maléfique, contre cette parole dans nos vies, soit anathème au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous briller dans cette génération comme la splendeur des cieux. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié avec foi et avec autorité, croyant que le Seigneur Jésus-Christ t'a fait du bien et qu'il accomplira cette parole, cette promesse pour ta vie, alors à partir de maintenant, tu dois confesser, je suis un signe pour ma génération, je suis né pour briller. Et non, pas pour échouer, je ne suis pas venu accompagner les autres, mais je suis venu accomplir mon destin. Nous allons faire un autre sujet de prière, un autre sujet de prière. La connaissance. Jésus-Christ a dit Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons prier. Un peuple ignorant est un peuple, voilé, l'échec et sans avenir. Mais un peuple de connaisseurs, un peuple de. de peuple de. un peuple de voilà, un peuple de chiens est un peuple qui a un grand affiné. Nous allons demander, Seigneur, révèle-moi la connaissance de ta parole. Donne-moi la connaissance de la parole. La guerre dans laquelle nous sommes engagés est une guerre spirituelle, c'est une guerre de connaissance. Ce pas des armes charnelles. Demande à Dieu de te révéler le mystères de son royaume. La Bible dit, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Demandons l'ouverture de l'esprit pour comprendre les Écritures devant Dieu ce matin. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, il y a tellement de mystères dans ta parole que nous aimerions découvrir. Nous prions au nom de Jésus. Ouvre-nous l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Seigneur, tout obstacle à la connaissance des mystères de ton royaume, des colonnes de ta maison, soit ôté de nos vies dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Père, merci parce que tu es vivant. Merci parce que le parfum de ta connaissance se répand dans nos vies. Et dans nos esprits, gloire à Jésus-Christ, parce que l'ignorance est vaincue et remplacée par la connaissance profonde des mystères de ton royaume. Bénis soit ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Reçois la connaissance du royaume de Christ par l'Esprit de Jésus-Christ. Reçois la connaissance des mystères cachés du royaume de Jésus-Christ. Reçois la connaissance de la révélation de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et comme tu reçois cette connaissance... Ta vie ne sera plus jamais la même et le diable ne pourra plus jamais emporter quoi que ce soit qui t'appartienne ou bien qui appartienne à ta famille ou bien à tes enfants. La main de Dieu est avec toi et sa grâce sera bon dans ta vie au nom souverain de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je vois la connaissance augmenter au milieu de vous et la facilité à comprendre la parole de Dieu, la facilité à interpréter le texte sacré, la facilité à aller très loin dans la découverte des zones inexplorées dans le royaume de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Amen. Nous allons prendre un dernier sujet de prière. Alors ce sujet de prière, nous allons prier que Dieu nous donne de sortir de nos prisons, des prisons maléfiques, des prisons de péché, des prisons de limitation, des prisons, dans tous les cas, tu sais toi-même, les attaques, les prisons dans lesquelles... Tu te retrouves, ça peut être un péché, un mauvais caractère, un mauvais comportement, une mauvaise façon d'agir, de parler, de s'habiller, etc. De répondre aux gens, tu connais, où l'imperfection est en train de gangrener et de milduiser ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, sors-moi de cette prison, de ce mauvais caractère, sors-moi de cette mauvaise façon de parler, de cette mauvaise façon de me tenir, de cette mauvaise façon d'agir, ou de cette mauvaise fréquentation, ou de cette mauvaise relation. Demande à Dieu de te sortir de cette prison. Afin que tu sois libre. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc nous voulons la réalité de la liberté. Nous voulons la réalité de l'indépendance. Alors réclame ton indépendance face à la puissance du péché, à la puissance du mal. Et dis, Seigneur, je veux être libre. Oh, j'aspire à mon indépendance et à ma liberté. Nous prions au nom de souverain de Jésus. Galialota anna asmerazo. Bless paris wa Seigneur, nous brisons les verrous de fer qu'ils ont maintenus dans la captivité de tel ou de tel péché, de telle ou de telle prison spirituelle. Seigneur, nous refusons l'esclavage. Nous refusons la soumission aux puissances du mal et nous sortons chacun de sa prison dans le nom souverain de Jésus, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, toute prison dans laquelle le diable nous a embrigadés, nous a enchaînés. Seigneur, nous sortons victorieux ce matin de cette prison. Nous coupons les liens, nous détruisons les chaînes, nous renversons, Seigneur, les forteresses et nous sortons victorieux dans le nom puissant et souverain de Jésus. Toute limitation dans nos vies, Seigneur, toute prison spirituelle dans laquelle nous croupissons depuis des années, depuis des mois ou depuis des jours, Seigneur, nous proclamons la libération. Merci parce que tu nous sauves, parce que tu nous as franchi et nous sommes réellement libres. Gloire à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec foi, le Seigneur vient de te sortir de ta prison et à partir de ce matin, sache que tu es libre et tu dois confesser. Je suis libre en Jésus Christ. Ça peut être l'alcool. Ça peut être, je sais pas, le mensonge. Ça peut être la paresse spirituelle. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu. Ça peut être une vie de désordre, une vie de débauche. Ça peut être l'ivrognerie. Ça peut être les boîtes de nuit. Dans tous les cas, tu es la personne la mieux placée pour connaître les prisons dans lesquelles tu te trouves. Ça peut être la colère. Ça peut être la jalousie. Ça peut être la haine. Ça peut être les rancœurs les médisances, la calomnie, etc, etc, etc. Toi seul connais quelle est la forteresse de ta vie. Toi seul sais. Ça peut être même des prisons. C'est les sorciers qui vous ont embrigadés. Ça veut dire que prison de célibat, prison de de fausse couche, prison d'enfants hors mariage, prison d'échec dans tes entreprises. Ça peut être une limitation dans le ministère. Ça à dire que tu fais des ministères depuis le ministère depuis des années. Mais il n'y a pas de fruits. Ça veut dire qu'il n'y a pas de percée dans ton ministère. Oh, tu sais que tu es appelé, tu sais que tu es ouin. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne comprends pas. Tu pries, tu te sanctifies, tu lis la Bible. Mais cependant, le ministère n'avance pas. Tu, tu, tu n'arrives pas à comprendre comment quelqu'un comme toi, qui a été mandaté par Dieu, qui est vrai, ne peut pas avoir une percée. Dans sa génération, Dieu te sort de cette prison au nom souverain de Jésus. Que le Seigneur t'en délivre, qu'il t'en restaure. Ça peut être dans tes affaires. Toi qui fais les affaires, femme d'affaires, homme d'affaires, ou bien commerçant, etc. Ou d'autres réussissent, toi tu échoues. où tout le monde passe, toi tu calmes. L'Éternel vient de briser les portes de fer dans ta vie, dans le nom souverain de Jésus. Et je te vois atteinte, les hauteurs, je te vois atteinte. Bonjour mon amour, je viens me faire un petit câlin. Donc je te vois atteindre des hauteurs inexprimées. Au nom de Jésus-Christ, alors ça va Oh, je t'aime. Tu dis bonjour à nos amis. Dis bonjour. Bonjour. Mmh? Demain comment ils vont. Mmh. D'accord. Comment t'as dormi? D'accord. Et t'as pensé à moi? Mmh. Oh, est-ce que c'est vrai? Mmh. T'es sûr? <laughs> Et tu m'as pas fait un petit câlin pourquoi? Mmh. Je t'aime. Ah, tu sens bon bébé. Merci papa. D'accord. Là, tu me laisses, on est dans la guerre, ok Oui. Tu on laisses est papa dans la Oui. c'est la guerre, tout à l'heure. Descends, descends. Non, non, descends. Oui, descends. Je t'aime, tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Donc, bien aimé, nous sommes dans la prière. Nous savons que Dieu est en train de se lever en ta faveur, dans le nom souverain de Jésus. Nous allons poser un acte prophétique fort ce matin. Il faut l'apprendre. Tout à l'heure. Tout à l'heure bébé. Marche doucement. Un acte prophétique très fort. Nous sommes en train de parler de forteresses familiales Et je vais vous expliquer une chose. Il faut l'apprendre pardon. Chaque famille. Vous savez que c'est une histoire de violence là. Elle ne va pas quitter. Chaque famille a des forteresses. Des forteresses qui la retiennent dans la captivité. Comment faire pour briser ces forteresses C'est très important. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Bien-aimé, je sais que Dieu veut te visiter. L'émission, si ce n'est pas un jeu, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ton jour est arrivé. Ta délivrance est arrivée. Ta saison est arrivée. La date là, c'est aujourd'hui. Voici la date de ta visitation. Voici la date de ta délivrance. Et c'est pour ça que je t'exhorte à partager cette vidéo au maximum. Invite tes enfants, connecte-les à cette source de grâce. Que même puissent être témoins de leur propre délivrance. Je ne dis pas que les gens seront témoins de ta délivrance. Tu seras le premier témoin de ta propre délivrance ce matin. L'onction de Dieu est dans ma vie et sa grâce est abondante sur moi. Et je sais que Dieu nous amène très loin. Nous parlons des forteresses, nous parlons des hôtels maléfiques, nous parlons des hôtels familiaux, nous parlons de ces puissances invisibles qui mildisent et saboulent ou spillent les vies de plusieurs personnes qui ont perdu la, la, la trajectoire de leur destinée prophétique et qui se retrouvent dans des dimensions maléfiques qui bloquent tout leur, toute leur vie, qui les empêchent de briller ou d'être à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est contre ces forces que Dieu veut se lever aujourd'hui. La Bible dit, car l'Éternel combattait pour Israël, Dieu veut combattre pour toi ce matin, Dieu veut te rendre visite, Dieu veut mettre sa main dans ta vie et briser cette prison dans laquelle tu as été retenu depuis longtemps. Nous allons voir bibliquement ce que Jésus-Christ lui-même dira concernant cette forteresse maléfique. Parce que c'est Jésus qui nous enseigne sur l'existence des hommes forts. On reviendra sur cela, on va comprendre le concept biblique de l'homme fort. C'est quoi un homme fort ce qu'on appelle les hommes forts ou bien les forteresses, ça ne veut pas dire que c'est un homme charnel qui est fort et musclé, barra, barraqué, avec un aspect euh, mastodonte ou je ne sais pas trop quoi. Non, lorsqu'on parle d'hommes forts, il s'agit des forteresses maléfiques, sataniques et diaboliques, invisibles, qui agissent dans ta vie. Maintenant, ces forteresses peuvent être nationales, elles peuvent être familiales, elles peuvent être individuelles. Ça veut dire que toute une nation peut être dominée un esprit un esprit moniteur. comme toute une famille tout un village toute une famille peut être sous l'autorité le contrôle des esprits mauvais c'est pour cela que vous verrez par exemple dans certaines familles les gens ont les diplômes ils ne fréquentent pas ça arrive à tout le monde à partir du moment où vous remarquez un fléau spirituel ou physique qui devient familial ça veut dire que qui devient contagieux ça veut dire qu'il y a un problème quelque part il peut il s'agit d'une fondation maléfique. Les fondations maléfiques sont une réalité biblique. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, beaucoup de prédicateurs qui remettent en cause l'existence des fondations maléfiques et remettent à, à, dans, dans, de, 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 de ce point de vue en cause le combat spirituel. Parce que s'il n'y a pas de fondation maléfique, il n'y a pas de danger. Donc on n'a donc pas besoin de prier. Mais si Jésus dit veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire qu'il y a un danger, il y a une menace invisible. Et c'est contre cette menace invisible que le Seigneur Jésus nous amène à prier. Et lui-même, contre cette menace, contre sa propre vie, Jésus-Christ se mettra à prier régulièrement. Et la Bible dit qu'il passait la nuit à prier et le jour à prêcher. Pourquoi Il nous a révélé cela. Prier, veillez, prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus lui-même veillait, prier pour ne pas tomber dans la tentation. Voilà pourquoi la Bible dira, par exemple, que. Comme disait Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ est conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Et ce jour-là, il y a eu une guerre universelle. Il y a eu une guerre universelle. C'était la première guerre. Pas seulement la première guerre, elle n'était pas mondiale seulement, mais c'était une guerre universelle. Mais l'humanité n'a pas pris conscience que la première guerre mondiale n'était pas la première guerre mondiale en réalité. Il y a eu une guerre. Mondiale. la vraie première guerre mondiale, qui n'était pas seulement mondiale, mais qui était universelle, s'est passée quelque part dans un jardin de Jérusalem, dans un désert de Jérusalem, où Dieu, venu sous une forme humaine, d'après Matthieu chapitre 1, le verset 23, la, 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 la Vierge dans son ventre sera enceinte, et elle enfantera un fils. Et on appellera son nom Emmanuel. Ce qui en métonomazie signifie Dieu au milieu de nous sous une forme humaine. Dieu était descendu sur la terre sous une forme humaine. Mais personne n'avait réalisé que Dieu nous avait visités. Personne n'avait réalisé que Dieu marchait au milieu de nous. Personne n'avait réalisé. Que sa majesté l'Éternel des armées s'était fait homme pour nous sauver, pour sauver des hommes. On n'avait pas réalisé chaque fois où Jésus-Christ passait, que voilà notre Créateur qui passait. On voyait en lui un homme. Et lorsque Jésus-Christ allait dans le désert, et que tout le royaume des cieux, tout le ciel, tous les archanges, tous les 24 vieillards, toutes les familles du ciel, les roues, les séraphins, etc., etc. les archanges étaient debout. Et que la Trinité elle-même était debout pour cette première guerre universelle. Parce qu'il faut expliquer que la première des guerres universelles, c'est-à-dire que ce n'était pas une guerre universelle, c'était une guerre céleste. C'est lorsque le diable a voulu renverser Dieu au ciel. Mais ici sur la terre, la première guerre mondiale, et je dis encore la première guerre mondiale et universelle, s'est passée en Israël, à Jérusalem, dans un désert de Jérusalem. Là, toutes les forces du bien et les forces du mal étaient debout. Il y avait une guerre, il y avait un duel entre Satan, le prince des ténèbres, et Jésus-Christ, le prince de la lumière. Et tout le royaume des cieux était derrière Jésus. Et tout le royaume des ténèbres était derrière Satan. C'était un duel comme Goliath et David. Toutes les deux armées étaient derrière. Aucune armée n'était engagée dans la bataille. C'est David et Goliath qui devraient se battre. La même chose. L'armée de Dieu n'était point engagée. L'armée de Satan n'était point engagée. C'était un duel entre Christ et Satan. Celui qui remporterait cette bataille, son armée prendrait autorité sur l'autre armée. Alors automatiquement, le Seigneur Jésus-Christ s'est levé et il a combattu. C'était une guerre universelle qui s'est passée dans le plus grand silence et qui est passée et qui est entrée dans l'anonymat et l'humanité ne s'est pas rendue compte. Tandis que les gens allaient venir dans les marchés de Jérusalem et qu'ils étaient en train d'acheter et de vendre, tandis que le bruit continuait sous des cliquetis des bijoux qu'on vendait en Israël, tandis que le sacrifice continuait dans le temple, et que les sociétés industrielles de tannerie vendaient les pots d'animaux sacrifiés dans le temple, personne ne se rendait compte de la grande guerre universelle qui était en train de se jouer, de la destinée de l'humanité qui était disputée, du salut de l'homme qui était disputé dans ce désert, où le ciel était debout, où les démons étaient debout, où chacun croisait le bras. Les anges avaient les doigts croisés parce qu'ils souhaitaient remporter cette victoire et les démons derrière le prince Satan Belzebu avaient les doigts croisés parce qu'ils voulaient remporter cette victoire parce que celui qui aurait remporté cette victoire aurait pris le contrôle sur l'humanité. Gloire soit donnée à Jésus. Et le Seigneur Jésus a remporté cette victoire pour notre salut. Imaginez-vous un instant si Jésus n'avait point pu remporter cette bataille. Imaginez-vous qu'il avait perdu cette bataille. Bien-aimés, vous et moi, nous serions perdus à jamais. C'est ça la réalité. Notre vie serait perdue à jamais. Qu'est-ce qui a mis Jésus et Satan dans un état de guerre C'était l'humanité, le contrôle de l'humanité, le contrôle de ta vie et le contrôle de ma vie. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui a remporté courageusement cette bataille pour toi, cette bataille pour moi avant même que nous ne naissions. Alors, c'est ça que nous parlons de la guerre spirituelle. Et la Bible dit que lorsque le diable a quitté Jésus, la Bible dit clairement, et Satan s'enfuit, Satan se retira jusqu'au jour convenable, jusqu'au temps convenable. Et ça, c'est une phrase que beaucoup de chrétiens ne donnent pas attention, ne prennent pas leur attention. Non, jusqu'au temps convenable, ça veut dire quoi que les batailles de Jésus, les rencontres avec Satan n'étaient pas finies dans le désert. C'est aussi pour cela que dans le jardin de Gethsemane, nous croyons profondément que l'angoisse... De Jésus-Christ qui a transformé sa sueur en grumeaux de sang venait de ce qu'il était encore tenté et que le diable lui montrait l'atrocité de sa mort sur la croix et puis l'atrocité du chemin par lequel il passerait pour arriver jusqu'à Golgotha. C'est ça la réalité. Mais Jésus a affronté les forteresses de sa vie. Il a pris contrôle sur ces forteresses, quoique ce n'était pas facile. Et il nous a donné cet héritage. Et la Bible dit si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a franchi, le Seigneur de la liberté. Donc, enfants de Dieu, vous devriez être conscient que nous sommes en guerre. La mort de Jésus-Christ sur la croix n'annule pas la guerre spirituelle. Il faut qu'on soit d'accord avec. Tu dois être d'accord avec moi. Tu dois comprendre. Bibliquement, on va revenir sur les étymologies bibliques. On va lire un texte biblique. Je vais aller dans le texte grec pour te permettre de comprendre la quintessence des mots sur le plan dénotatif et connotatif pour que tu aies. Une connaissance vraie, pure et originale et authentique de la pensée de Dieu dans sa parole. Donc, naître de nouveau ne veut pas dire que c'est fini. Certaines personnes disent non, Jésus est mort sur la croix pour nous et dont les batailles sont finies. Pourquoi donc il a dit veillez prier, Afin de ne pas tomber dans la tentation. Et même dans l'Apocalypse, Jésus dit quelque chose de plus grave. Il dit garde et retiens ce que tu as jusqu'à la fin de peur qu'on ne te l'enlève. Alors, ça veut donc dire quoi Et l'apôtre Pierre, je pense que c'est Pierre qui dit il dit veillez priez. Car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui Dévorer. Donc tu dois veiller. Si tu manques de vigilance en tant qu'enfant de Dieu, quoi que tu sois né de nouveau, quoi que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit, quoi que tu sois un homme de Dieu, saint, un homme de Dieu, ça dit dangereux, contre les œuvres de Satan, si tu manques de vigilance, tu te retrouveras en train de faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Pourquoi Parce que les anciens péchés que tu as confessés ne sont pas morts. Tes anciens géoliers sont derrière toi. L'adultère que tu as confessé, Dieu t'a délivré. Amen. La boisson, Dieu t'a délivré. Amen. Le mensonge, Dieu t'a délivré. Amen. Mais les démons là ne sont pas morts. Ces péchés sont toujours amoureux de toi. Ces péchés ont toujours ta nostalgie dans leur cœur. Ces péchés ne dorment pas. On des cauchemars parce que te revoyant avec eux. Tes anciens géoliers ne sont pas morts. Ils sont à tes trousses. Tu es un évadé de prison et tu es recherché. Tu dois savoir que tu es recherché. Tu ne dois pas vivre comme une personne normale. Tu ne dois pas vivre comme une personne qui n'est pas recherchée. Non. La Bible dit que lorsqu'un démon sort d'une personne, ce démon, lorsqu'il est chassé, s'en va, mais pas pour dormir. Non. Il va chercher sept démons plus forts que lui. Avec lui, ça fait huit et il revient contre-attaquer. Donc c'est ça qu'on appelle les forteresses maléfiques. C'est des puissances démoniaques qui ont pour mission d'écraser ta vie d'anéantir ta vie, de t'empêcher de devenir l'homme que Dieu veut que tu sois ou la femme que Dieu veut que tu sois. Voilà pourquoi les enfants de Dieu qui ne prient pas ont des problèmes. Vous remarquerez, quand tu abandonnes la vie de prière, tu faiblis spirituellement et tu vas voir qu'il y a des péchés qui vont commencer encore à se manifester en toi. La chair va commencer à prendre le dessus sur toi. Mais lorsque tu pries, lorsque tu es baignant dans la prière, dans la méditation de la parole de Jésus, tu deviens fort. Le péché, tu as la haine du péché. Tu ne t'efforces pas pour mener une vie de sanctification. Mais quand tu abandonnes la vie de prière, tu abandonnes la voie de la méditation, alors automatiquement, ta vie de sanctification va commencer à dégringoler. C'est pour cela que quand le diable va attaquer un enfant de Dieu, il ne vient pas avec des cornes en béton armées pour te dire, oh, c'est moi le diable. Non! Il te distrait. La distraction est une arme puissante contre les fils du royaume. Il te distrait. Il t'apporte un film, il t'apporte Facebook, il t'apporte Messenger, il t'apporte Instagram, il t'apporte Snatch, Snatch, Il t'apporte ça. Tu prononces ça mieux que moi. Il t'apporte Miranda. Il t'apporte la beauté du diable. Il t'apporte El Diablo. Oui, il t'apporte Novelas. Tu peux t'asseoir devant Novelas de 6 à 18 heures. no problème. Mais venez prier. 5 minutes, tu ne peux pas être incapable. Et tu penses que c'est normal? Ce n'est pas normal, bien-aimé. C'est pas normal. C'est un piège. C'est un esprit de distraction. Et dès que l'esprit de distraction t'a éloigné de ce qui renforce en toi la divinité, j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du très haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Somme 82, verset 6. Où sont nos dieux? Quand le diable te fait du mal, il te réduit à l'humanité. Il efface la divinité en toi. Il t'éloigne de tout ce qui peut inoculer en toi la divinité. Or, c'est cette vie de prière, c'est cette vie de méditation qui donne une vie de sanctification. Il n'y a pas de vie de sainteté sans vie de prière. Et sans vie de méditation, la parole de Dieu, c'est la vie de méditation, la vie de prière, la constance dans la maison de Dieu, la constance dans la présence de Dieu et dans sa parole qui te donne la force contre le péché. Et qui te donne la victoire sur Satan. Mais un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne médite pas la Bible, je ne dis pas lire comme un roman, je parle de lire la Bible, tu la lis, tu la lis jusqu'à oublier la notion du temps. Je parle de prier, j'ai l'habitude de dire aux gens que peut-être un jour il faut que je montre mes genoux à quelqu'un ici à l'église. Si tu vois mes genoux, c'est noir. Mes deux genoux sont noirs, il y a deux points noirs. Lorsque j'étais musulman, mon front était noir à cause de la prière. Donc aujourd'hui, mes genoux sont noirs parce que je me mets à genoux. Devant le Seigneur. Un jour, j'étais quelque part et j'ai vu une sœur venir. Et la sœur venait et elle était en jupe et ses genoux étaient visibles. Et sur ses deux genoux, il y avait deux points noirs. Je l'ai salué je lui ai dit, Toi, tu es mon ami. C'est toi, mon ami. Elle me demande pourquoi je lui ai dit, Tu es une femme de prière. Parce que j'ai vu tes genoux et j'ai su que tu es une femme qui fléchit constamment ses genoux devant le Père des esprits des prophètes. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu ne lit plus la Bible, lorsque tu ne pries plus, tu es diminué spirituellement. Et c'est là que tu vas avoir des phénomènes comme les couches de nuit, comme les repas de nuit, comme les morts qui t'apparaissent la nuit. Dans tous les cas, lorsque tu te rends compte que les attaques de l'ennemi atteignent l'intérieur, le centre de ta vie, automatiquement, ne réfléchis pas de midi à 14h. Il y a une brèche dans ta vie. Il y a une brèche quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un trou. Il y a un trou. Il y a, il y a une fissuration spirituelle par laquelle le diable passe pour lui lancer des bombes dans ta vie. Il faut que tu revises ta vie de sanctification. Et quand je parle de la vie de sanctification, il s'agit de tes fréquentations. Regarde parmi tes amis. Est-ce que tous tes amis sont des amis de destinée Est-ce que toutes les relations et les fréquentations que tu as glorifient Dieu en finalité Alors, tu dois regarder cela. Tu dois regarder ta manière de parler. Est-ce que dans ta manière de parler, il n'y a pas une façon mondaine qui s'est infiltrée, une façon pécheresse de parler, un langage de pécheur qui s'est infiltré dans ta manière de t'exprimer Il faut que tu regardes. Dans tes pensées. Est-ce qu'il n'y a pas dans tes pensées des péchés cachés qui se sont infiltrés? Il faut que tu regardes sur le plan comportemental. Est-ce que dans ton comportement, il n'y a pas un comportement païen qui a pris lieu dans ta vie? Tu fais cela. Je me souviens qu'à l'époque, lorsque j'étais encore plus jeune dans la foi, lorsque j'ai remarqué qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas bien, j'allais prendre ma valise. Je prenais tout ce que j'avais. Et je mettais mes habits, je versais tout ce qui était dans ma valise par terre. Et je reprenais encore la réflexion. La chemise, si j'ai eu ça comment Le pantalon, si je l'ai eu comment Tes choses-là, je l'ai eu comment Pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'avais volé et que j'ai oublié qui est dans mes affaires. Pour voir s'il n'y a pas une chose qu'une panne m'avait donné ça d'une petite. Pour regarder. Et s'il n'y a pas une quelque chose qu'une petite m'avait donné qui est dans mes affaires C'est ça, la sanctification. Donc regarde dans tes affaires, regarde. Ça, c'est un secret que je te donne. C'est mes secrets que je vous partage. Vous êtes mes amis. Je te donne mon secret. Moi, je m'en fous. Du reste, je te donne. Il n'y a pas de problème. take And go. Prends, tu pars. Écoutez bien aimé. Lorsque ta vie ne donne pas, avant de chercher le prophète, toi-même, tu peux résoudre beaucoup de problèmes dans ta vie. 70% de tes problèmes, tu peux les résoudre toi-même. sanctifie toi Regarde dans tes affaires. et ce qu'il n'y a rien qui sort de la prostitution et ce qu'il n'y a rien que c'est un homme avec qui je sortais, qui m'a donné Tu t'en sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'avais volé à quelqu'un Tu t'en sais pas. Tu fais ce qu'on appelle la restitution. Tu dois te purer. Parce que, regardez, quand vous lisez par exemple Jean 14, verset 30, Jean 14, verset 30, qu'est-ce que la Bible dit Jésus donne une déclaration très, très forte. Et qui est le créole même, le credo, je voulais dire, du combat spirituel. Jésus dit ceci Le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon la volonté du Père, levez-vous et allons et partons loin d'ici. Est-ce que vous comprenez donc c'est ça le problème. Et dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Donc, si tu ne veux pas que le diable te domine, tu ne veux pas que les sorciers te touchent, tu ne veux pas, tu as dit que les démons tout il faut te rassurer que tu n'es rien qui appartient au diable. Tu dois lui rendre tout ce qui lui appartient. Son mensonge, tu lui rends ça. Le vol, tu lui rends ça. La jalousie, tu lui rends ça. Je ne sais pas, premier, deuxième bureau, troisième bureau, tu lui rends ça. Dans tous les cas... Tout ce qui est dans ta vie, qui est souillé, susceptible de te souiller, tu dois lui rendre ça. Il y a une soeur qui a posé la question tout à l'heure. Et hey, papa, et si quelqu'un me fait un cadeau qui me drague, attendez, laissez-moi vous répondre sincèrement. Hein. Regardez, bien-aimé, quelqu'un te fait la cour, il te drague. Uh -huh. Il te drague, hein, parce qu'il veut sortir avec toi. Tu connais déjà ses mauvaises intentions. Tu sais qu'en réalité, voici bah, si ce que le gars veut. Et tu sais que tu ne peux pas lui donner ça. Donc, c'est mieux de lui dire que même son argent, tu ne veux pas. Tu ne peux pas dire que. Euh, chez, chez nous, on dit que. Tu ne peux pas dire que non, moi je mange pas le porc parce que je suis musulman. Mais tu manges la sauce sans manger la viande. Parce que la sauce là, c'est toujours le goût de la viande qui est dedans. Hein? C'est la viande qui est dedans qui se met à l'intérieur. Donc, soit c'est non, c'est non, soit oui, c'est oui. Lorsque tu sais que cette personne vient pour t'amener à pécher. T'amener à t'éloigner de Dieu, refuse la personne et refuse son argent. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que non, je ne peux pas te donner ce que tu veux là. Mais quand tu te donne son argent, tu prends quand même. Ça veut dire que tu es une frappeuse, tu es une bandite, tu es une voleuse. Tu n'es pas sérieuse. Ça veut dire même quelque part que tu es cupide. Cupide, parce que tu ne peux pas dire non à l'argent. Et c'est ça le problème avec beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui. Même dans l'église, c'est des frappeuses. Des frappeuses. Elles te frappent, quelqu'un avait chanté que Viviano, oh, oh Viviano, show my money, oh. Viviano, oh Viviano, Viviano, you chop all my money, you go, oh, Viviano, chop my money, oh, Viviano, you run amo, Viviano. C'est ça le problème. Il y a des enfants de Dieu qui sont des Vivians dans l'église aujourd'hui. C'est-à-dire que la fille va te prendre ton argent, elle te mange l'argent bien. Quand tu es pauvre, elle te dit, je ne peux pas faire ça. Dieu est juste dans le ciel. Et Dieu ne peut pas cautionner ce genre d'action. Ou c'est non, c'est non, ou c'est oui, c'est oui. Donc, dans la vie, il faut savoir ce que nous voulons. Et c'est là que beaucoup Beaucoup d'enfants de Dieu eh, tombent dans le piège de Satan. Donc, bien aimé, la sanctification est importante dans le combat spirituel. Et la prière, la méditation, la parole de Dieu, très important aussi dans la, le combat spirituel. Lorsque c'est dans ta vie, prenons un exemple, tu vas en boîte de nuit, tu attends quoi Le diable va te frapper, tu auras chaud, le diable va te toucher bien. Tu mènes une mauvaise vie automatiquement, c'est des brèches c'est des portes que tu ouvres dans ta vie. Le diable t'atteindra, les sorciers vont te manger. C'est-à-dire tu vas te réveiller, tu vas te faire une oreille à moitié parce que les sorciers la moitié de ton oreille. C'est ça la réalité. Donc, lorsque tu mènes une mauvaise vie, par exemple, tu es un enfant de Dieu, mais tous les vendredis, tu vas dans ton village pour faire les crânes, adorer les crânes, et tu reviens. C'est normal que tu vois les morts, que tu vois tes ancêtres dans le rêve en train de chercher à te manger. C'est normal parce que ta vie n'est pas propre. Donc, l'un des premiers secrets pour la victoire dans la bataille spirituelle, c'est la propriété spirituelle. Il faut noter cela. La propreté spirituelle. Mais toi, tu vas dans les boîtes de nuit. Tu es dans les bisous tous les jours. Tu vas. Non, bien aimé. Nous devons imposer le respect de notre foi. Regardez comment les musulmans font. À comment font-ils raison, nous les croyants frères? C'est difficile de voir dans le monde aussi. C'est difficile de voir un chrétien organiser son mariage. Il n'y a pas de boisson alcoolisée. C'est difficile. C'est difficile de voir un chrétien. Son patron l'invite à une cérémonie officielle où il y a bois et tout. On lui dit bois. Et il dit je ne bois pas parce que ma foi ne me permet pas. C'est compliqué. Où est la foi? Notre valeur est où? La valeur chrétienne est où? Où est l'honneur de notre foi? Comment les gens vont-ils respecter notre Dieu? Si nous-mêmes, nous sommes sans scrupules, si nous sommes les premiers à bafouer les lois de la Bible, les lois de notre Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas dire à ton patron, je ne peux pas aller en boîte de nuit, comme tous les employés vous donnent une soirée en boîte, moi je ne peux pas aller parce que je suis enfant de Dieu. Tu peux en boîte, mais tu danses encore le mapuka jusqu'à ton patron, encore dit que c'est la fille qui coupe les reins comme ça. Les gens sont encore étonnés, mais ce n'est pas la soeur là, alléluia, amen. Elle danse encore le en dombologie jusqu'à ça, nous dépend tous. Même tes collègues païennes, elles-mêmes se regardent, elles te regardent comme ça. La manière dont tu tournes les reins, ça à dire qu'elles se demandent, elles disent que non, on va aller dans l'église, c'est sûr que c'est dans l'église qu'on apprend ça pourtant rien. On ne t'apprend pas ça à l'église. Donc il y a des valeurs spirituelles que les chrétiens devraient défendre. Je suis écœuré de la médiocrité du laisser-aller qui existe dans le monde chrétien aujourd'hui. C'est-à-dire que les chrétiens, non, la plupart des chrétiens, chez moi, la bouteille d'alcool n'entre pas, mais c'est le vide. Même les arachides dans les bouteilles de whisky, je n'admets pas ça dans ma maison. C'est pour cela que je bénis toujours mon épouse. Je bénis Dieu pour cette femme. Parce que c'était le genre de femme que lorsque Dieu me donne une révélation, elle est dedans. Elle défend la révélation. Moi, même. Elle défend même ça plus que moi. Donc c'est à cause de ces choses que nous perdons les batailles spirituelles. Parce que nous n'avons pas un standard de vie auquel nous tenons. Nous n'imposons pas notre foi. Regardez les musulmans. Tu peux tenter d'aller donner le porc à un musulman. Toi qui es chrétien, tout le monde le sait. Il ne veut pas accepter. Tu peux aller dans la maison d'un musulman et tu entres avec tes chaussures dans sa maison. Tout le monde le sait. Tu enlèves le, les chaussures. Même si tu es le président de la République, tu enlèves les chaussures avant d'entrer. Pourquoi Ils ont imposé leur foi. Ils sont sérieux avec leur foi. Ils ne jouent pas avec. Ils ne jouent pas avec. Ils sont prêts à mourir pour que leur foi soit respectée. Mais les chrétiens ne sont prêts à rien. Aucune valeur. L'heure de prier, ton moment de prier arrive. Ton téléphone sonne tu arrêtes d'abord la prière pour aller repos au téléphone, tu as déjà vu un musulman faire ça. C'est une grave erreur, frère. Hein? L'heure du culte arrive. C'est le moment d'aller adorer Dieu. Tu reçois des étrangers. Au lieu de leur dire allons à l'église, je ne peux pas manquer le culte. Tu t'assois avec eux. Et comment ils vont respecter ton Dieu? Désormais, ils viendront te rendre visite toujours à l'heure du culte. Parce qu'ils ça que toi-même, tu ne me prends pas au sérieux, l'église est là. Le jour du culte, tu es à la maison chez toi. Tu ne fais rien. Ce n'est pas que tu es malade. Ce pas que quelque chose t'a empêché vraiment. C'est pas qu'il y a eu un cas de force majeure, mais tu as fait regarder la télé. Tu veux que les gens de ta maison, tes amis, respectent ton Dieu comment? Dieu dit si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Il dit même dans les offrandes, lorsque vous apportez les offrandes, ce sont des brebis borgnes que vous m'apportez, des brebis paralytiques. Tu viens à l'église, c'est les biens déchirés que tu apportes à ton Dieu. Toi-même, tu méprises Dieu et tu veux que les gens respectent ton Dieu comment? Si tu veux que ton Dieu soit respecté, toi-même, respecte ton Dieu d'abord. Impose le respect du nom de ton Dieu. Il dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé tous les jours parmi les païens. Il dit à cause de vous. Vous qui? Le peuple de Dieu. Comment est-ce que nous sommes arrivés au point où le nom de notre Dieu, notre propre Dieu, soit blasphémé à cause de nous-mêmes? Bien aimé, c'est une grave erreur. C'est pour ça que l'église s'est affaiblie. C'est là que le diable nous a eu. Il n'y a pas de respect de principe biblique. Non. Je ne peux pas arriver. Tu arrives chez moi. Je prie. Monsieur, tu m'attends. Si tu es facile, tu pars. Non, tu pars. Tu t'en vas. Tu arrives tu es en train de méditer. Tant que le Saint-Esprit ne m'a pas libéré. Je ne te reçois pas. Je m'en vais. D'ailleurs, parfois je cause avec les gens. J'ai des étrangers à la maison. On est en train de causer. L'Esprit de Dieu me dit, je veux te parler. Et je me lève, je me dis, je m'excuse. Je monte dans ma chambre. Si je fais une heure, je fais une heure. Si je fais deux heures, je fais deux heures. Tant que mon Seigneur ne m'a pas libéré, je ne descends pas. Si tu es facile, tu pars. Il n'y a pas de problème. Mais je dois imposer le respect de ma foi partout où je vais. C'est rare aujourd'hui de voir des enfants de Dieu qui, c'est-à-dire qui sont sévères dans la foi, ils sont sévères envers eux-mêmes, sévères envers leur entourage, en ce qui concerne leur engagement de servir Dieu. Tu dis, je ne bois pas. On organise des fêtes. Tu dis, j'étais obligé de boire parce que tout le monde buvait, parce que le patron a dit, toi, à cause de ton patron, tu iras en enfer. Donc, quand c'est ton patron, tu iras en enfer, tu vas aller expliquer à Dieu que non, c'est toi le patron. Ton patron, c'est qui Par rapport à la loi de ton Dieu. Où est la fidélité Par rapport à la loi de ton Dieu. Où est la fidélité, bien-aimé Tu regardes, ta manière de t'habiller peut être une fissuration spirituelle pour que le diable t'atteigne. Il y a des gens qui s'habillent mal. Il y a des chrétiennes qui s'habillent mal, même des hommes qui s'habillent mal. Tu es un homme, tu es un frère, tu sors en, en route avec le torse nu, ta torse nu, ou avec les trucs, tu laisses tes poils ici, les fausses poils même qui sont encore pour la chèvre, tu sors avec devant les gens. Et puis, moi j'ai connu une soeur. Elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, homme de Dieu, lorsque je vois seulement le tibia d'un homme, je ne dors pas. J'ai le coup de nuit, je vois seulement, j'ai seulement de mauvaises pensées. Je me vois en train de coucher avec cet homme. Elle m'a dit ça. Quand je vois le tibia d'un homme, elle n'a pas dit la cuisse. Donc, la Bible dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Malheur. Donc, à cause de ta cuisse que tu laisses dehors là, une soeur peut aller en enfer. Sans, dans le silence, sans que tu ne t'en rendes jamais compte. Et à cause de ça, toi-même tu es condamné. Hein? À cause de ton, 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 ton que tu laisses dehors là. Je ne, moi je n'ai jamais, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais, ça fait près de 30 ans. Je n'ai jamais nagé dans une piscine. Je ne suis jamais allé que c'est la place, la piscine. Et je suis, non, je suis allé dans les plages, Mais j'ai mon tricot. Moi, c'est là-bas que je vais mettre le tricot qui me sert même le cou. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Non, je peux m'amuser avec... La manière dont tu t'habilles peut être une fissure, une porte ouverte pour les attaques du diable dans ta vie. Donc avant que tu ne te plaignes, que Dieu m'abandonne. Si Dieu était puissant, pourquoi il ne m'aide pas Si Dieu était fort, pourquoi il, il ne fait pas tes choses Oh, il y a tes maladies. Non, les maladies, les limitations, le célibat, les attaques, les Ndjodjou, la nuit, les sorciers, tout ce que vous voyez là, c'est la conséquence d'une porte ouverte. Donc lorsque ta vie subit des oppressions, il y a des gens, il est couché en plein jour, il entend comment on appuie, il ressent une force sur lui, il entend les gens parler, mais il ne peut pas bouger. Quand ces choses vous arrivent, bien aimé, Prenez conscience, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Le démon l'a fait comment pour t'atteindre C'est un problème. Le démon l'a fait comment pour t'atteindre C'est qu'il y a une porte qui est ouverte. Au lieu de te plaindre, au lieu de chercher les prophéties, va chercher où tu as ouvert la porte toi-même dans ta vie. Réfléchis, repasse ta vie en revue. Repasse ta vie en revue. Il n'y a personne là, je vais le mouchoir. Repasse, on a coupé la lumière. Repasse ta vie en revue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne, je depuis que je suis né de nouveau, hein, je dis la vérité, hein, jamais on ne m'a vu en culotte. Je n'ai plus jamais porté la culotte. Je ne porte pas la culotte, c'est par respect des principes bibliques pour fuir l'impudicité et pour ne pas mettre quelqu'un dans les problèmes. Je peux mettre la cuisse là, une soeur meurt à cause de ça. Comme une soeur peut se mettre sa mini jupe là et puis je meurs pour ça. Donc il faut faire attention. Un vrai chrétien se respecte. Un vrai chrétien se respecte. Je me répète, un vrai chrétien se respecte. Une vraie chrétienne se respecte. Il y a des choses qui ne valent pas la peine. Donc il y a ce sens de responsabilisation dans le combat spirituel que beaucoup de chrétiens ne respectent pas. Et le scandale arrive à gauche et à droite. C'est ça la réalité. Donc il faut une prise de conscience. Le combat spirituel, ce n'est pas le bébé, non, c'est des principes et c'est des lois. C'est des principes. Et c'est des lois. Et c'est important de le savoir. Il y a un nombre de choses que tu ne dois plus faire. Il y a un nombre de lieux où tu ne dois plus aller. Tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas me retrouver dans tel endroit. Seigneur, je ne dois plus faire tes choses. Il y a un genre d'habits que tu ne dois pas porter sur toi. Il y a un genre de fréquentation qui peut être une porte ouverte au diable dans ta vie. Oui. Oui, bien aimé. Il y a un genre de cadeau qu'on te donne, tu prends. Ta vie est finie. Une porte ouverte contre ta vie. Il y a déjà d'amitié de, de, qui est une porte ouverte. Je veux le mouchoir, il n'y a personne. Il y a déjà d'amitié dans ta vie qui est une porte ouverte contre toi. Donc mes amis, la sanctification est fondamentale dans la victoire, dans le combat spirituel. Le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Donc il faut que tu te battes. Pourquoi le diable n'est rien en toi Bon, supposons que tu es enfant de Dieu. Parce que je vais revenir sur les prisons spirituelles après. Les prisons spirituelles. Excusez-moi, pardon. Donc, mes amis, avant de te plaindre que je ne dors pas, j'ai les couches de nuit. Sache que les couches de nuit ne peuvent pas t'atteindre s'il n'y a pas une porte ouverte. Le diable ne peut pas toucher quelqu'un si la personne n'a pas ouvert la porte. C'est ça qu'on appelle le principe de la porte. Jésus lui-même, même Dieu, ne peut pas te bénir. Dieu, en tout cas. Dieu ne peut pas entrer dans ta vie si tu ne lui ouvres pas la porte. Les clés de ta porte, c'est toi qui les as. Il faut savoir cela. Il dit, Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce n'est pas seulement les clés du royaume des cieux que Jésus t'a donné, mais les clés de ta vie sont entre tes mains. C'est pour ça que la Bible dit que le jugement de Dieu sera juste envers les hommes. Pourquoi Parce que nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive, et nous sommes la rémanence, la réminiscence et la réverbérance et le reflet de nos choix. Chaque homme, ce n'est pas Dieu qui a fait de toi la personne que tu es. Non. Laisse-moi t'expliquer cela. Ce n'est pas Dieu qui a fait de toi la femme que tu es. Non. C'est tes choix qui ont fait de toi la personne que tu es. C'est l'ensemble des choix que tu as fait qui fait de toi l'homme ou la femme que tu es aujourd'hui. Si tu es marié, c'est parce que tu as choisi d'accepter un jour cet homme dans ta vie comme ton mari et vous êtes marié. Si tu avais refusé, tu ne serais pas marié. C'est un choix. Si tu as des enfants hors mariage, cinq enfants avec 10 pères différents hors mariage, non, bien aimé, c'est un choix. Si tu n'avais pas accepté ou bien choisi cela, aujourd'hui tu serais célibataire sans enfants. Donc Dieu n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Pourquoi Parce que la clé de ta destinée est entre tes mains. Mais le problème, c'est donc quoi? C'est que nous remettons la clé de nos vies aux mauvaises personnes. La première personne qui vient, tu ouvrir la porte. Il y a des personnes qui ne méritent pas d'entrer dans ta vie. Il y a des personnes qu'il ne faut jamais admettre dans ta vie. Là, même Jésus dit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est Jésus, hein? Il ne dit pas que j'ouvre, que j'arrive devant la porte de ta destinée et j'ouvre. Non! Il frappe, il toque. Si tu entends ta voix, ouvre. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvre. Donc, quelqu'un peut entendre la voix de Jésus, et il n'ouvre pas. Et toi, tu peux ouvrir ta vie à n'importe qui, tu salis ta vie. Il y a des personnes qui portent des saletés dans leur vie. Il y a des personnes qui sont des malédictions incarnées. Il y a des personnes qui sont des dépotoirs de démons, des dépotoirs de péchés. Et ces personnes, lorsque, si tu as une robe blanche, et quelqu'un s'est vautré dans de la boue, et que tu embrasses la personne. C'est normal que ta robe soit salie. Le péché se contamine. L'iniquité se contamine. Les hôtels maléfiques se contaminent. La malédiction se contamine. Si tu te... La Bible explique par exemple que il y a beaucoup de rois, hein, beaucoup de rois dans la Bible, comme le roi Josaphat. Le roi Josaphat qui était un homme que Dieu aimait beaucoup. Mais qui allait s'associer au roi Achab. Et la malédiction d'Achab est tombée sur Josaphat. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes marches. C'est pour dire que si tu marches avec des soulas, tu finiras par être à toi qui étais bien. Si tu marches, tes camarades, ce n'est que les prostituées. Comment les chrétiens ne peuvent-ils plus être sélectifs C'est quel genre de christianisme que nous vivons aujourd'hui Tes amis, c'est les givrons. Tes amis, c'est les pêcheurs. Tes amis, c'est. La Bible dit dans Somme 1, verset 1. Il dit, il dit, heureux l'homme qui ne marche point selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs. C'est ça la vraie foi. C'est ça la foi sélective. C'est ce que j'appelle la foi sélective. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Les chrétiens marchent selon le conseil des méchants. C'est les païens qui nous conseillent. C'est une grande honte. Comment les ténèbres conseillent la lumière Où est donc ta responsabilité de lumière C'est la lumière qui doit diriger les ténèbres. Mais aujourd'hui, les ténèbres dirigent la lumière. C'est quelque chose contre nature. C'est une infamie, c'est une ignominie. C'est un problème sérieux. Donc les enfants de Dieu n'ont plus d'identité spirituelle aujourd'hui. C'est-à-dire que tes amis, c'est des pêcheurs. Tes amis, tous les jours, ont ta... Et c'est pour cela que, finalement, tu ne viens plus à l'église. Tu n'es plus constant dans la vie de prière. Tu n'es plus constante dans la vie de méditation, la parole de Dieu. Et ta vie de sanctification est presque inexistante. Pourquoi Parce que tes amis mondains, tes amis païens, t'ont amené loin de la face de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un vrai enfant de Dieu doit être prudent. Fais attention à qui est ton ami. Fais attention à tes fréquentations. Toute relation qui ne te fait pas avancer dans ton intimité avec Jésus, coupe le pont, coupe le pont immédiatement. Mets-la de côté. Même si ça va te faire mal, même si ça va te coûter n'importe quoi, j'ai t'en prie, coupe le pont, coupe le pont et tu seras sauvé. Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette le loin de toi, vaut mieux entrer pour toi, borgne, dans le royaume, que d'avoir tes deux yeux d'aller en enfer. Il si ton bras est pour toi une occasion de chute, arrache-le. J'aime le loin de toi. Il ne dit pas qu'il faut arracher le bras s'il te plaît. Après, il ne faut pas devenir borgne là. Tu prends une pioche pour enlever ou bien une aiguille pour arracher ton œil. Et quand on demande non ce prophète qui avait dit non, non, non. C'est imagé. C'est symbolique. Donc c'est une imagerie. Donc, c'est pour dire quoi Lorsque quelque chose t'empêche d'avoir des fruits spirituels positifs, tu dois t'en séparer. C'est de ça que la Bible parle. Un enfant de Dieu qui veut aller loin ne s'embarrasse pas avec des relations inutiles. Je répète. Un enfant de Dieu qui veut aller loin ne s'embarrasse pas avec des relations inutiles. Il est sélectif dans sa vie. Il est sélectif. Parce qu'il y a des situations où tu te mets et tu perds ton héritage spirituel. Il y a des lieux où tu t'en vas et tu perds ton héritage spirituel. Tu devrais être jaloux de ton identité. Tu dois être jaloux de ton identité. Donc, c'est pas tout ce qu'on te donne que tu dois prendre. Non. Ce n'est pas tout ce qu'on t'offre que tu dois prendre. Il faut faire attention. Il y a des cadeaux empoisonnés. Et vous devez savoir en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas toute porte qui est ouverte qui est de Dieu. Même le diable a aussi ses portes ouvertes. Donc, quand une porte s'ouvre devant toi, tu ne vas pas seulement aller là-bas comme un zinzin ou un zircon, ou un luba ou un maboul, juste entrer par cette porte-là. Tu dis, gloire à Dieu, la porte est ouverte. Non, vérifie d'abord. Et c'est cette porte qui vient de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit :« Toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. » Donc il reconnaît qu'il y a des plantes dans le champ qui ne sont pas plantées par son Père. C'est pas tout. Il y a un adage espagnol qui dit no :« es, no es oro todo lo que reluce. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut faire attention. Il faut faire attention, bien aimé. Donc cette responsabilité, cet esprit de responsabilité vis-à-vis -vis de ma foi chrétienne est en train de disparaître dans l'Église aujourd'hui. Un chrétien ne parle plus n'importe comment. Tabou, tu insultes. Juste les imbéciles, les moufs, les tête, les cuillons, les connards. C'est des portes que tu ouvres dans ta vie. et Tu auras des couches de nuit. Tu auras des démons, des déblocages. Et ça peut avoir des conséquences terribles. Parce que ce qui concerne les injures, la loi de la parole dit quelque chose de grave. La loi de la parole dit quelque chose de très, très grave. Je vous dis la vérité. La loi de la parole dit quelque chose de grave. Jésus dit ceci. Si quelqu'un dit à son frère Raca, il mérite d'être puni par le sang et Ça veut dire qu'au tribunal, il va en prison. Mais, si quelqu'un dit à son frère imbécile, lui doit être puni par le feu de la gêne. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la vie éternelle. Il ira en enfer, dans la gêne. Donc, pour vous montrer que la simple injure qui sort de ta bouche, ta mère, ton père, <coughs> imbécile, soin, c'est des portes ouvertes. À cause de ça, Jésus dit que tu peux te retrouver dans la gêne. Or, oh, il y a des enfants de Dieu, ils t'insultent, tu penses qu'ils parlent langue. Tellement l'injure est complexe. C'est-à-dire qu'il y a des injures qu'on t'insulte, tu ne sais pas si c'est en français ou si en grec qu'on t'insulte ou en allemand. Tellement l'insulte-là est, est, est composée, est complexe et compliquée. C'est ça la vérité. La bouche de plusieurs enfants de Dieu n'est pas sanctifiée. Tu vois, la bouche là, ça manque. Ta bouche manque jusqu'à. Tu manques tellement que ta bouche a grossi. C'est-à-dire que quand on voit, tu as les lèvres pulpeuses, on pense que c'est Dieu qui t'a donné naturellement ces lèvres pulpeuses. On ne sait pas que tes lèvres pulpeuses là, c'est la conséquence de l'excès de mensonges. Il y a des enfants de Dieu, leurs bouches ne sont pas sanctifiées. Tellement de calomnies. Tellement de faux témoignages. tu as dit le gars te coupe une affaire sur quelqu'un, il te raconte comme si c'est lui qui avait accouché la personne. Pourtant tout ce qu'il dit là c'est faux, c'est du mensonge, du mensonge pur et simple. Tellement tu manquais ta bouche est devenue noire, comme pour les femmes nordistes là, comme piquent les aiguilles avec la, 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 la substance noire là, qui noircit leurs lèvres. C'est-à-dire les bouches noires dans l'église aujourd'hui. Excès de calomnie, excès de faux témoignages. La Bible dit tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc beaucoup de chrétiens n'iront pas en enfer fait à cause de l'adultère. Non. Beaucoup n'iront pas en enfer à cause de l'ivrognerie. Non, 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 non. Beaucoup iront en enfer à cause des choses que nous, nous minimisons et qui sont autant graves que l'adultère. Parce que péché égale péché. C'est vrai que péché égale péché, mais en même temps, péché n'est pas égal péché. Je voudrais profiter pour répondre à une question qu'une femme, une servante de Dieu, a eu à me poser. Elle a dit que pour elle, péché égale péché. Euh, c'est vrai en même temps et c'est faux. Les péchés ne sont pas égaux. Non, non. Le péché, c'est péché à cause du dénominateur commun. Péché. Le mot péché. C'est le péché. À cause de la transgression de la loi. Dans ce cas-là, le péché égale péché. Mais celui qui vole l'œuf d'une poule n'est pas. Euh, son péché n'est pas comme celui qui a tué. Non, non, ce n'est pas le même péché. C'est tous son péché. Tous ont transgressé la loi et tous sont coupables et tous doivent être punis. Mais Dieu ne peut pas donner la même punition à celui qui a tué, qu'à celui qui a volé un neuf. Non, bibliquement, je vais vous montrer cela. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose en ce qui concerne le péché. Je réponds parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas, qui disent que non, péché égale péché. Oui, péché égale péché parce que péché égale transgression de la loi. Mais la rétribution du péché n'est pas la même. Au niveau de la rétribution du péché, euh, il y a, il y a des, des inégalités. Il y a des inégalités, c'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité. La punition est proportionnelle au péché. C'est-à-dire que le péché, le péché égale péché, mais les péchés ne sont pas proportionnels. Il y a des péchés graves, il y a des péchés moins graves, mais tous sont des péchés entre la condamnation. Mais je dis encore, au niveau du jugement et de la punition, les punitions ne sont pas les mêmes. La Bible dit, Jésus dit quelque chose de très fa facile à comprendre, qui est simple, en ce qui concerne le péché et les, ses conséquences. Il dit, celui celui à qui on aura beaucoup donné celui-là on le frappera d'un grand nombre de coups mais celui qui il dit celui qui aura connu la volonté de son maître mais qui aura péché sera frappé d'un grand nombre de coups mais celui qui n'aura pas connu la volonté de son maître et qui aura péché sera frappé d'un petit nombre de coups donc c'est ça le problème donc on peut dire quoi la bible dit que celui qui pèche ayant la connaissance sera puni sévèrement parce que lui connaissait mais celui qui pêche sans la loi, celui qui pêche sans la connaissance sera puni, en, on considérera quand même qu'il ne connaissait pas. Donc lui, sa punition sera modérée par rapport à celui qui a péché avec la connaissance. Maintenant, l'apôtre Paul va expliquer quelque chose de très fort encore, allant dans le même sens. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit que, il dit que, celui qui pêche par la loi sera jugé par la loi. Mais celui qui pêche sans la loi sera jugé sans la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu on peut dire quoi? Celui qui connaît la loi ne sera jugé par la loi parce qu'il connaît la loi et donc cette connaissance de la loi est son jugement. Mais celui qui ne connaît pas la loi, la Bible dit qu'on ne le jugera pas comme quelqu'un qui connaissait la loi. Non, on le jugera en tenant compte qu'il ne connaissait pas la loi, il sera jugé sans loi. Donc c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Péché égal péché, péché égal condamnation, mais au niveau des rétributions par rapport au péché, Dieu tiendra compte de si tu connaissais la vérité ou si tu ne connaissais pas la vérité. Voilà ce que la Bible enseigne clairement sur le péché. Donc, le péché égal péché dans le sens où c'est la transgression de la loi, mais les péchés ne sont pas les mêmes. Il y a des péchés plus graves, il y a des péchés moins graves, mais tout ça, c'est péché. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Ce samedi. Ce samedi, euh, j'ai la grande conférence des partenaires, la conférence internationale des partenaires. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Il nous reste encore quelques jours. Donc, vous allez vous inscrire, vous appelez. Euh, je vais vous donner des numéros que vous allez appeler. Appelez ces numéros et enregistrez-vous, s'il vous plaît. Si vous voulez euh, avoir cette euh, conférence euh, en direct et la voir, ça veut dire que vous laissez votre numéro de téléphone, votre nom et votre numéro WhatsApp. Et samedi, moi-même, je vous appellerai en vidéo. Et nous allons travailler, nous allons prier ensemble, nous allons discuter ensemble. Et c'est une parole de l'Éternel pour vous. Je vous la donnerai. Dans tous les partenaires internationaux qui ne se sont pas encore inscrits. Donc, on vous, vous inscrire en appelant le plus 237. Plus 237, 675, 87, 78, 20. Plus 237, 675, 87, 78, 20. Ou alors... Là, c'est Maman Mireille Rose Mousseni Otam. Ou vous pouvez appeler Maman Eugénie Emongue Sopo, épouse Moukoko Poli. Au 600 plus 237, 699 96 37 14. 699 96 37 14. Voilà les deux numéros. Et par lesquels vous pouvez vous inscrire, Appelez l'un de ces numéros en tant qu'on avec l'une de ces mamans, maman Mireille Rose, Mousseni Otam, ou maman Eugénie et Mongesopo, épouse Mokoko Poli, et demandez leur les conditionnalités pour participer à la conférence en ligne. Alors, vous laissez vos coordonnées, et puis je vous appelle samedi, et nous allons faire le reste. Le Saint-Dessy fera le reste. Que Dieu te bénisse. Ce vendredi, nous avons une grande nuit de flammes ici à Yaoundé. À partir de 21h à la Bi. ne manquez pas, s'il vous plaît. Venez, ça sera phénoménal. La grâce de Dieu. Et dimanche, nous avons un double culte de famille. Le matin à 7h30, ici, à Yaoundé, à la bière, en Kouaban. La bière, c'est en Kouaban. Quand vous arrivez, demandez qu'on vous laisse à la bière. 7h30, viens avec toute ta famille, avec ton offrande familiale pour la consécration des familles. Les bouteilles d'eau OUENT seront gratuitement distribuées à toutes les familles. C'est un grand service d'eau OUENT. Dieu a tellement fait de merveilles à travers cette eau dans nos vies et dimanche, si vous n'avez jamais vécu cela, venez en live vivre les bontés de notre Jésus. Dans cette 30 nous avons culte à Yaoundé et à, à Bertois. ce sera le même dimanche à partir de 16h, ancienne SCT quartier Mokolo 1. Soyez très très nombreux à Bertois. et ce sera le premier service de Wend. L'eau sera donnée à chacun. La ville de Berthois, chacun se prépare avec sa famille, avec son offrande de connexion familiale, de consécration familiale. Et devant l'éternel, nous allons renouveler l'alliance de l'aimer et de lui appartenir pour toujours. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. Je bénis ta journée au nom souverain de Jésus. Que la main de Dieu soit puissante dans ta vie en cette journée. Toutes tes entreprises réussiront et que la crainte de Dieu soit ton partage et qu'il te donne la victoire dans toutes tes batailles. Demain, nous reviendrons sur les secrets pour remporter les victoires contre les batailles spirituelles pour renverser l'homme Comment renverser l'homme dans ma vie, dans ma famille et être libre de m'épanouir, atteindre l'optimum de l'accomplissement de la prophétie de Dieu pour ma vie. Demain, dès qu'il sera 10 heures. Shalom, shalom, shalom.